come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lonely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I sent you a part. Tell me your secrets and ask me your questions, or let's go back to the start. Running in circles, coming up guys, it's all the science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. No. Nobody said it was easy. No one even said it would be this hard. Take me back to the start. Just guessing at the numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as me are. Tell me you love me, come back. Haunt me, and how I rush to the start. Running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Shame for us to part. Nobody said it was easy. No one even said it would be so hard. I'm going back to the start. Bonjour à tous, je suis Stéphane de l'Esprit Goldman. Je vous propose aujourd'hui de travailler le titre qui a rendu célèbre le groupe Coldplay, donc The Scientist, qui commence à dater un petit peu, c'est vrai, et j'ai trouvé que ce titre était vraiment intéressant parce que ça permet de travailler un morceau qui initialement est joué au piano avec une guitare, et comme vous le savez, ça c'est mon exercice favori. C'est transcrire un piano à la guitare, parce que là, il faut avoir un petit peu d'oreille, ce que j'ai, et du coup, bah, c'est intéressant pour moi, j'aime beaucoup faire ça. Au passage, je remercie mon ami Nicolas, qui se reconnaîtra, parce que je sais qu'il est très fidèle à mes vidéos, et je le remercie infiniment pour ça. C'est lui qui m'a donné l'idée, lors d'un échange ce matin même, de faire ce morceau, puisque c'est un morceau que j'ai joué avec mon groupe, quand j'avais un groupe au Havre, à partir de 2004-2005,
groupe que dont je ne fais plus partie depuis 2007, je crois. Eh bien, sans plus attendre, je vous montre tout de suite les accords que je fais pour The Scientist. Allez, c'est parti. Alors pour le faire, j'utilise ma guitare Matelor en bois de Koa, voilà, qui est quand même plus une guitare de studio qu'une guitare de scène, puisque le corps est relativement imposant, quoi. Donc celle-là, je pense pas que je l'utiliserai un jour sur scène, je pense pas. Ça, je risque d'être un peu embêté, je sais pas, on verra. Alors, pour The Scientist, les accords qui sont faits, il y a quelques subtilités à aller chercher. Déjà, je la joue au médiator. Ok ? Alors, ce qu'il faut entendre, la ligne de piano, elle fait ça en fait. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré et qui m'a donné le nom des accords. Les accords sont les suivants. Pour le couplet, qu'il va jouer 4 fois, on va être sur un Ré mineur 7. Ensuite, on va être sur un Si bémol. Alors, pour faire le Si bémol, deux solutions. Soit vous le faites... moi, ma façon de le faire, c'est de mettre un barré en première case, ici, et avec mon auriculaire, je prends une position de La majeur, en fait. Mais très franchement, elle est compliquée, celle-là. C'est un peu crispant pour les doigts. Donc, moi, j'ai une autre solution. Je vais aller le chercher en sixième case avec une position de Mi majeur. Alors, pour une raison que je vais vous expliquer très très rapidement, je ne vais pas le prendre en barré, parce qu'à un moment, je vais être coincé. Si vous voulez vraiment reproduire ce que fait le piano, je vais le faire plutôt avec un petit barré. Donc, je place mes doigts à partir de la septième case en position de Mi majeur. Vous voyez, si je fais un barré... J'enlève le barré, voilà, je viens faire un petit barré avec mon index, et pour fermer ma position, je viens plaquer mon pouce, ici, en sixième corde, sixième case. Il n'est pas facile à avoir, c'est vrai. Mais on est obligé un peu de le prendre comme ça parce que l'accord suivant, c'est un Fa. Donc, j'ai juste à déplacer ma position en première case. Là, j'ai un Fa. Sauf que la subtilité au piano, c'est que lui, il va relever la tierce du Fa pour aller chercher la deuxième position, c'est-à-dire un Fa suspendu 2, un Fa sus 2. Comment on fait ? On va passer d'un accord fermé à un accord ouvert. Là, j'ai un accord fermé. Mon Fa. Si vous relevez votre majeur, là, j'ouvre mon Fa et j'obtiens un Fa sus 2. Donc, vous voyez, si je fais déjà ces quatre accords qui vont constituer tous les couplets, voilà, on reconnaît bien la ligne mélodique, quoi. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut entendre. Alors, au niveau du battement de la main droite, honnêtement, je le fais jamais exactement de la même manière. Laissez-vous aller.
Je fais un truc... N'oubliez pas que même si je ne frappe pas les cornes, votre bras droit sert de métronome. Faut jamais cesser de le battre. Sinon, vous allez avoir des ruptures rythmiques, ça va pas être beau. Un truc comme ça, quoi. Donc... Alors, quand vous passez du Si bémol au Fa, n'hésitez pas à relever, soit vous faites un glissé, parfait, ou alors vous relevez vos doigts et vous venez les replaquer pour avoir le Fa. Ça colle aussi. Vous voyez, corde à vide, c'est pas forcément vilain, quoi. Ça, c'est pour le couplet, donc je le refais une fois. Donc là, on a un petit changement. Donc, on démarre avec le Si bémol. Fa. Fa sus 2. Si bémol. On double les mesures, en fait. Fa. Là, j'ai un Do classique. Do septième. Où je viens en fait positionner mon auriculaire en troisième case, troisième corde. Fa. Si bémol. Et Fa. Et on redémarre. Couplet. Alors, dans la démo, à la fin, pour la partie un peu instrumentale, où on ne chante pas, je vais faire exprès pour coller un peu plus avec le piano, je vais faire que des allées. Je vais faire... Ça change un peu. Retourne en aller-retour. Refrain, allez.